Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. On continue avec la série des exercices sur le protocole TCP/IP et aujourd'hui on vous propose un exercice de type trouver l'erreur. Alors de quoi s'agit-il? On a deux réseaux locaux avec des switches et des PC connectés sur chacun des deux switches et on veut interconnecter les deux réseaux. Ça veut dire quoi interconnecter? C'est-à-dire que les machines des deux réseaux peuvent communiquer ensemble. Et on va supposer que ces deux réseaux locaux sont loin. Donc, dans le cas réel, on aura besoin d'une connexion étendue. On va louer une connexion de notre fournisseur de services. Par exemple, une connexion de type liaison spécialisée ou bien de type FreeBolt, etc. Dans notre scénario, donc on va installer un routeur dans chacun des deux réseaux. Et dans notre scénario, on va supposer qu'il s'agit d'une connexion Ethernet. D'accord? Donc, par exemple, une connexion avec de la fibre optique. D'accord? Donc, on aura besoin de deux routeurs. Et chaque routeur a deux interfaces, c'est-à-dire deux cartes réseau. Chaque carte réseau est connectée sur, d'une part, le switch, d'autre part, sur la connexion étendue. Donc, I1 et J1 sont connectés sur les switches des deux réseaux, et I2 et J2 sont connectés à notre fournisseur de services. Alors, chacune de ces quatre interfaces a besoin d'une adresse IP, ainsi que les machines des deux côtés. Donc la question ici, comment choisir les bonnes adresses IP? On va vous présenter quatre scénarios. Dans chaque scénario, il y a une erreur et on vous demande de trouver l'erreur. Commençons donc avec le scénario numéro 1. Je vous propose de cliquer sur pause de la vidéo et de réfléchir un peu, de regarder ce diapositive pendant 2 minutes et d'essayer de trouver l'erreur. Alors, j'espère que vous avez trouvé l'erreur. Qu'est-ce qui est remarquable ici? Ce qui est remarquable, c'est que les machines des deux réseaux utilisent le même identificateur des réseaux. Donc les machines ici ont un adressage IP de type 192.168.1.x, de même pour les machines à droite. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas router entre deux réseaux qui utilisent le même adressage IP. Le même réseau IP. Pourquoi? Supposons que cette machine, qui a l'adresse IP 192.168.1.1, va envoyer un paquet TCP/IP à la machine 192.168.1.2, qui se trouve à droite. Donc, elle va former le paquet. Et elle va regarder la table de routage comme toute machine qui utilise le protocole TCP/IP. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la table de routage? Elle dit que le réseau 192.168.1.0 est accessible à travers la carte réseau E, qui est une carte réseau locale ici sur la machine, et toute autre adresse IP inconnue, elle est accessible à travers la passerelle, comme on a vu dans le chapitre routage TCP/IP. D'accord. Donc a priori, pour envoyer le paquet vers la machine à droite, il suffit de faire circuler le paquet à travers notre carte réseau. D'accord. Donc cette machine, elle croit que la machine à droite, la machine .2, se trouve localement sur le switch. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer une requête ARP pour chercher l'adresse MAC de la machine .2. Mais aucune machine ne va répondre parce que la machine .2 se trouve à droite. D'accord? De même ici, la machine .2, si elle veut communiquer et envoyer un paquet vers la machine .1, d'accord? Donc elle va penser que la machine .1 se trouve localement parce que d'après la table de routage, il suffit d'envoyer le paquet à travers la carte réseau F. Or, en réalité, ce qu'il fallait faire, c'est utiliser la passerelle, le routeur, pour
faire passer le paquet vers l'autre réseau de l'autre côté. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ce scénario ? On va conclure qu'on ne peut pas router entre deux réseaux qui utilisent le même identificateur de réseau. Si on a choisi ici 192.168.1.0, on ne peut pas aussi choisir ici .1.0/24. On peut utiliser par exemple le .5, .6, .7, n'importe quelle adresse, n'importe quelle autre adresse d'un réseau IP. D'accord ? Le scénario numéro 2. Même chose, je vous propose de cliquer sur pause et de regarder un peu ce schéma et d'essayer de trouver l'erreur. J'espère que vous avez bien trouvé l'erreur. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est que l'adresse de I1, c'est-à-dire l'interface interne du routeur, qui est normalement la passerelle des machines locales ici, d'accord ? Alors, cette adresse IP, c'est une adresse IP .5.254. Alors que le réseau IP ici, c'est 192.168.1.0, d'accord ? Donc, la passerelle, elle n'appartient pas au réseau IP local. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que si on va faire comme ça, donc qu'est-ce qu'on aura ? On aura au niveau de la table de routage de cette machine que 192.168.1.0 est accessible à travers la carte réseau et que n'importe quelle adresse IP que je ne connais pas, elle est accessible à travers la passerelle, d'accord, qui est .5.254. C'est-à-dire que si la machine 192.168.1.1 veut communiquer avec 192.168.3.2, d'accord, donc cette entrée, elle n'est pas bonne, donc elle va utiliser la deuxième entrée de la table de routage, envoyer le paquet vers la passerelle. Maintenant, d'accord, elle va envoyer le paquet vers la passerelle, qui est .5.254. Mais comment elle va trouver le chemin vers .5.254? Est-ce que la première entrée dans la table de routage connaît le réseau .5? Ben non. Donc, la machine n'a pas de route vers le réseau .5 et il ne peut pas faire passer le paquet TCP/IP au routeur R1. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, cette machine ne pourra jamais envoyer le paquet vers la passerelle parce qu'elle ne connaît pas déjà comment arriver à la passerelle. Et la passerelle, c'est elle qui représente le pont vers le monde extérieur. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on conclut d'après le scénario numéro 2 ? Donc, conclusion, l'adresse IP de I1 doit appartenir au réseau local. Donc, l'adresse IP, elle doit être .1.254, par exemple, d'accord ? Dans ce cas, donc, la première entrée va nous donner une idée sur, sur la route vers .1.254 et donc la machine va générer une requête ARP. Elle va chercher l'adresse MAC du .1.254. Le retour R1 va envoyer son adresse MAC à la machine. Ainsi, la machine va encapsuler le paquet TCP/IP dans une autre RAM dont l'adresse MAC est celle de l'interface I1. Ainsi, le switch va utiliser sa table de commutation pour commuter la RAM et envoyer la RAM au routeur R1, comme on a vu dans le premier chapitre, étude des réseaux locaux. D'accord, donc I1 doit appartenir à 192.168.1.0, de même J1 doit appartenir à 192.168.3.0. Scénario 3. Allez-y, faites pause et regardez un peu la diapositive et essayez de trouver l'erreur. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a ici? L'erreur dans ce choix d'adressage IP, c'est que on a choisi le réseau 192.168.1.0 sur l'interface I1 ainsi que sur l'interface I2. Donc vous remarquez bien ici que I2 a l'adresse IP 192.168.1.253. Et ça, ça va représenter un problème pour le routeur R1. Pourquoi ? Parce que si vous vous rappelez bien, dans le chapitre routage, on a dit
que lorsqu'on va écrire l'adresse IP 192.168.1.254 sous l'interface I1 dans le routeur, donc le routeur va ajouter automatiquement une route dans sa table de routage pour dire que le réseau point 1 se trouve sur I1. Maintenant, si on va faire la même chose sur I2, donc le routeur va écrire automatiquement que le réseau point 1 se trouve aussi sur I2. Et ça ne marche pas. Donc, ça va faire un conflit. Il ne connaît pas, donc, est-ce que le réseau point 1, est-ce qu'il se trouve sur I1 ou bien sur I2. Donc, ça va faire un conflit pour le routeur R1 quand il va recevoir un paquet avec l'adresse IP destination qui est du genre 192.168.1.x. Donc, il ne sait pas vers quelle interface va router le paquet. Donc, la règle numéro 3, c'est que deux interfaces différentes, bien sûr, d'un routeur ne peuvent pas avoir des adresses IP qui appartiennent au même identificateur réseau. Donc, de même, J1 et J2 ne peuvent pas appartenir au même réseau IP. Ils ne peuvent pas avoir le même identificateur de réseau. On va finir avec scénario 4. Allez-y. Vous faites pause, vous regardez un peu et vous essayez de trouver l'erreur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'erreur ici, c'est que I2 et J2 ont des adresses IP qui n'appartiennent pas au même réseau IP, bien que les deux interfaces appartiennent au même réseau local. D'accord. Donc, vous savez bien qu'on ne peut pas communiquer directement entre deux réseaux IP différents sans routeur. Et là, on n'a pas un routeur, on a juste un switch. Donc, ces deux interfaces, comme elles appartiennent au même réseau IP, au même réseau local, donc elles doivent appartenir aussi au même réseau IP. Parce que le routeur R1, quand il va envoyer le paquet TCP/IP vers le point 4, par exemple, d'accord, donc, et que son adresse IP est point 2, point 254, il devrait avoir ici un routeur pour pouvoir faire le routage entre les deux réseaux IP. Mais là, on n'a pas un routeur, on a juste un switch. Et le switch ne peut pas router, il ne comprend pas les adresses IP, il comprend juste les adresses MAC. D'accord? Donc ces deux interfaces I2 et G2 doivent appartenir au même réseau IP. D'accord? Comme on a dit que pour le PC, il doit et que I1 doivent appartenir au même réseau IP. De même, J1 et cette machine doivent aussi appartenir au même réseau IP. De même ici, on a l'erreur, c'est que I2 et J2 n'appartiennent pas au même réseau IP, et ça ne marche pas, parce que dans la table de routage de R1, il n'a pas une route vers le réseau point 4. De même pour le routeur R2, il n'a pas dans sa table de routage une route pour le réseau point 2. D'accord. Vous voyez bien ici que au niveau du routeur R1, on a le réseau point 1 sur I1, le réseau point 2 sur I2, et que vous vous rappelez de ce qu'on appelle la route statique. On a dit que le routeur R1 connaît le réseau 1 et le réseau 2, mais il ne connaît pas le réseau 3. Donc on doit manuellement configurer une route, ce qu'on appelait une route statique, d'accord. Donc pour aller vers le réseau point 3, on va passer par le routeur R2 qui est 192.168.4.254. Mais là, on n'a pas une route pour aller vers le réseau point 4. On a juste une route pour le point 1 et le point 2. Donc ça ne va pas marcher. En résumé, donc il ne faut pas faire ces quatre erreurs, et on va dire qu'on doit toujours vérifier ce que j'appelle entre guillemets les quatre règles de Osama. D'accord. Donc en fait, ce sont pas des règles magiques, et je ne garantis pas qu'il n'y ait pas d'autres règles à suivre, mais ce sont juste
quatre règles qu'on doit vérifier chaque fois qu'on va faire un adressage IP de la sorte. D'accord? Donc, il faut que R1 soit différent de R3. On ne peut pas router entre deux réseaux identiques. Il faut que I1 appartient au réseau R1. De même, J1 appartient au réseau R3. Il faut que I1 et I2 n'appartiennent pas au même réseau IP. Sinon, le routeur va avoir un conflit. De même pour J2 et J1. Et aussi, il faut que I2 et J2 appartiennent au même réseau IP. Ce qu'on appelle deux interfaces adjacentes doivent appartenir au même réseau IP. Donc voilà les quatre règles de OSAMA. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Et au revoir à la vidéo prochaine avec le théorème d'OSAMA. Bon, je plaisante bien sûr.